Je suis pas peu fier de m'être levé pour voir ce beau spectacle. Je suis pas peu fier d'avoir réveillé Valentin. Il y a 2 mois de ça, mon frère il a aménagé son camion et il l'a fini il y a 2 jours. Enfin je l'ai pas vraiment fini non plus hein. C'est-à-dire que la nuit dernière on a dormi dedans. Mais bon, tout ça pour dire que là on est reparti pour les BTL saison numéro 2 et cette année c'est... Les Châteaux de la Loire. Et oui mon gars. Et promis, cette fois-ci ça va encore être du lourd. Bim. Comme je vous disais, Valentin il a fini Polo. Et oui, il s'appelle Polo. C'est un van, il est aménagé comme pas possible. On a tout le matos qu'il faut. On a un porte-chaussures, on a des vélos, on a un longboard, on a un frère, on a un lit, on a plein de choses. Là on est au labyrinthe dans les jardins de Chenonceau, du château de Chenonceau, et le but c'est d'arriver au milieu. Vous savez ce qui est trop bien dans la van life?
C'est surtout quand on voyage avec votre frère et qu'il prend toutes les piqûres de moustiques. J'en ai pris aucune cette nuit alors qu'il y en avait plein. Mon frère, lui, en a pris au moins 20. Je suis content. Dernier château, le château d'Amboise. D'Amboise. Pour finir cette journée, j'avais envie de visiter le château d'Amboise depuis le temps que je passais devant et que ça me faisait penser à mon pote Amboise. Donc là, on va pas le visiter, mais on va prendre des belles vues de ce château. C'est parti. Et voilà, pour notre dernière nuit, on s'est trouvé un petit coin de paradis en haut d'une petite colline où on vient de préparer le feu pour les saucisses, le petit apéro de fin, les BTL, c'est ça, c'est toujours la joie, la bonne humeur. De temps en temps, on galère, mais on repart toujours plus haut, toujours plus fort. C'est quoi déjà en Fort-Boyard ? Toujours plus haut, toujours plus fort. Non, toujours plus loin, toujours plus fort. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort, mon gars. Polo! Qui ça? Polo! Marco! Polo! Marco! Je vous dis à bientôt pour la suite des BTL. Que les voyez bien!